pas être à Marseille là, il faut parler comme Marseillais. Je la soulève. Petit pont, petit. Ah mais putain. Je trouve que je suis plutôt douée. Mais eux, ils font des cascades sur des buildings. Hein. Bien arrivé à Marseille. Oh, regarde, elle fait une truc là. Tu m'as mis le doigt là, ça m'a fait mal. J'ai touché la poubelle dans la gare avant. Avant de te mettre le doigt dans la bouche. Chérie. Mal. Donc là on est dans le taxi, direction Mama Shelter. Avec Thomas dans le coffre. C'était comment le coffre? Tranquille. Olé. Yes. Et si ça c'est pas beau ça? Kessia, t'es jalouse, t'as vu, j'ai des chaussettes et pas toi. Oh là là. Tu prends une chaussette, je prends une chaussette, c'est ça? Bah donne-moi non, ma chaussette. Ah, il y a deux paires. Bon, on fait une paire chacun, mais elle va t'aider 10 fois trop grand. Tu fais du 12. Et voilà. Mais Annie qui commence déjà à se péter la gueule, ça commence bien. Allez, c'est parti. On fait un arrêt et on sort. Est-ce que je peux te couper avec ma carte? Bah, ça va sur le 28. Arrête. Je viens de lui gueuler dessus parce qu'il s'amusait à défoncer ses baskets toutes blanches, toutes neuves. Mais elle rigole plus, ça y est. T'es tout en crade. Même quand on t'a pris une paire de chaussures, tu les salis. Donc là, il y a Valentin qui nous prend en photo. On est avec Cécile, Thomas et Mélanie. Et on essaie de faire une composition à 4 acrobatique avec des ponts, des équilles, des saltos, des sauts. Voilà, c'est intéressant. Il y a des belles lignes de fuite. On va voir ce que ça rend. On va essayer de faire une belle photo. Pâturage. Et vous avez vu la qualité de cadrage, c'est impressionnant. Je trouve que je suis plutôt douée. On va faire une photo, en gros on doit marcher comme ça et faire genre on tombe. Et tous, mais je vais tomber. Et tous en fait avec une distance différente. Pas tordu la jambe comme un connard. On la refait direct. On la refait direct comme ça, c'est bon. Non, ça rend bien hein. On dirait que c'est super facile de le faire alors qu'en fait c'est pas facile. Le mec il est en position caca. Chacun ses talons. Pour les portées, premier essai, ça va être les portées épaules. Il faut parler comme Marseillais. Je la soulève. Je la soulève, la petite. La bave de Charles Poujade. On va faire un petit jeu, on va mettre un sondage juste là où vous votez tout de suite, Team Charles ou Team Mélanie. Voilà, vous choisissez de quel côté vous êtes. Bien et le sûr, perdant, attendez. Le perdant, il crache non, sur non, la tête non, de non. L'autre. Mieux, le perdant. Le perdant, et ça va faire l'objet d'une J'ai vidéo. Peur. Le perdant devra faire ce que veut l'autre, sera au service de l'autre pendant 24 heures et ça fera l'objet d'une vidéo, vous avez ma parole. Franchement, alors là, votez pour moi. Votez pour moi, j'ai de très très bonnes idées de quoi lui faire faire pendant 24 heures. Alors Cécile va tenter un grand écart sur les barres. Mmh.
suis plus souple qu'elle, moi. Moi, je suis plus souple. Allez, l'autre jambe. Allez. Oh. Moi, je suis prête depuis une demi-heure. Et regardez, il est toujours au lit. Debout. Wake up. Oh, oh pardon. C'est la mauvaise jambe. Allez, debout. Sinon, je montre à tout le monde que t'as dormi tout nu. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai mis le pied dans le pied du lit. Hier, élongation au niveau du fessier. Aujourd'hui, petit pied en vrac. T'es sûr que ça marche quand il y a le truc là? Non, mais quand il y a la clé. Et amusez-vous bien surtout parce que le lieu est canon. Je sais pas cadrer, je suis vraiment une merde. Ça fait pas de mal hein, de porter les valises. C'est Noël! Là, on a nos trois tenues chacun. Il y a 15 kg de fin de puma là-dedans. C'est bon, t'as des chaussettes, tu vas pouvoir me rembourser en chaussettes. Non. Déjà, c'est moi qui t'ai acheté tes chaussettes. On a un temps sur chaque zone avec chaque tenue pour faire des contenus. Donc, on essaye de faire du contenu photo. Il n'y a que des conteneurs partout et on n'a pas le droit de monter sur les conteneurs. Donc, on va essayer de faire des acrobaties murales sur les parois qui sont en tôle et ondulées. T'as mis les mains haut. Regarde les traces de ses mains. Mélanie en position latérale de sécurité. Yo, 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 yo. Coming in. Yo. Flex. I just wanna win. Raccroche hein. Coming in. Yo. Flex. I just wanna win. Yeah. Ah, commence pas à toujours filmer comme ça toi. T'es mon idole, PA. Je pense qu'il faut recommencer. Ouais. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Vas-y, décale un peu là. Ici, là. C'était plus haut que prévu, la pause. Accorder l'autorisation de grimper sur un conteneur. Elle est déjà en train de grimper. On casse tout. Je pas, ça laisse. À manger. C'est bon, mais je suis chaud. On l'a fait sur le conteneur. Putain, vous êtes montés comment? Pas par le côté, il y a des prises partout. Des prises partout, je n'en peux plus de vous. Vous êtes vraiment des escaladeurs. Mais eux, ils font des cascades sur des buildings. Hein. Ah, petit pont, petit. Tu veux jouer avec moi? Okay, maintenant, essaye de choper la balle. Je m'accroche pas, je m'en fous. Attends, c'est avec moi. Voilà. Oh, olé. Ah mais t'es un patin, mais y'a fuck là. Elle a tué le respect. Ça se trouve pas le ballon rond, ça roule pas, c'est pas. Olé. Au commentaire. Ah non, mon ballon. Charles, les gars, faut voir, y'a la table. C'est une masse en vrai, 95 kg, fait quasiment 2 mètres, c'est impressionnant.
c'est ça? T'es sprinter, c'est ça? Oh super, merci à toi. Merci. Chaud pour un petit training? Mélanie, elle écumule entre le doigt de pied et la cuisse. Elle fait quand même le training, c'est du HIIT, ça va être de l'intervalle training, donc de l'entraînement à haute intensité. Et moi, je peux pas le faire parce que j'ai trop mal au pied. Je loupe le meilleur temps de ma vie et là, c'est Charles, du coup, qui le fait. Ça va vomir, ça. Ça va trop, trop chaud. Et c'est sur cet entraînement que se termine notre week-end Puma à Marseille. A savoir qu'il n'y a pas eu de vomi malgré l'entraînement qui était assez compliqué. On a adoré, on en garde un très très bon souvenir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et puis vous abonner à la chaîne, ça nous ferait super plaisir. Moi aussi, je vous le dis, on a lancé une chaîne Tipeee, donc c'est-à-dire qu'à partir d'un euro par mois, vous pouvez nous soutenir et en échange, on vous offre les photos du mois qu'on a créé en HD. En tout cas, on se voit très vite pour de nouvelles aventures et pour de nouveaux projets. Ciao, ciao.